les filles, ça vous fait quoi de rentrer en première position? On est trop contentes pour notre association pardon, qui est à Camille Sport et Cancer. On est trop fiers de pouvoir leur offrir cette victoire. Moi, je suis trop heureuse d'avoir fini aussi parce qu'on ne pensait pas physiquement être capable de tenir 5 jours de compétition avec 4 heures d'épreuves par jour. On n'avait jamais fait. Donc déjà, nous, personnellement, on est très fiers d'avoir réussi à finir ça. Et encore plus heureuse de finir première, c'est toujours un plaisir. Bravo les filles. Sinon, c'était pas si dur les épreuves d'aujourd'hui? Si c'était dur, si quand même c'était dur. Le VTT, on a adoré le paysage, c'était magnifique, mais c'est vrai qu'à la fin il y avait le vent. Mais en fait, le fait de savoir qu'on allait finir, et puis les paysages, on oublie la difficulté en fait. Quel est le souvenir que vous allez garder de cette expérience? Le partage, qu'on est arrivé vraiment à tenir jusqu'au bout, les paysages, l'ambiance du raid avec toutes les filles. C'est incroyable de faire toutes ces rencontres, elles sont toutes formidables. Pendant les épreuves, on s'encourage toutes, c'est incroyable comme expérience. On est très heureuse et on l'a maintenue jusqu'à aujourd'hui depuis le deuxième jour. On a maintenu notre position de deuxième et grâce à notre persévérance, notre solidarité, on est complémentaires. Donc on s'est battu jusqu'à la fin, voilà. Fiers de nous, tout simplement, très fiers. On est fiers. On offre cette réussite à toutes les femmes marocaines. Aujourd'hui, on est sur la ligne d'arrivée. Et je peux vous confirmer que ces deux femmes-là, qui étaient sur la ligne de départ dimanche, elles sont différentes aujourd'hui. Oui. C'est des femmes beaucoup plus fortes. Oui. Et on va transmettre ça. Voilà.